Bonjour à tous, c'est Jean-Bob de Jean-Bob et la Tombe. On se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur YouTube, YouTuber's Life. Et rappelez-vous, j'avais commandé un jeu exprès pour le tester et faire une première impression pour gagner plein d'abonnés sur ma chaîne. On a déjà pratiquement 2000 abonnés, donc ça y est, je pense qu'on commence à bien gérer notre affluence. Nous allons tout de suite réaliser une nouvelle vidéo, donc en enlevant la webcam qui permettait de diminuer la puissance. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle diminuait en puissance mais elle gagnait pas en effets spéciaux, donc on va retirer si ça sert à rien et on va tout de suite lancer la vidéo. Alors pourquoi je ne peux pas configurer vos appareils? Pas de filtre. Voilà. Ah, je suis obligé de choisir un truc en fait. Ah, d'accord. Ok, donc on est obligé d'avoir une webcam faible résolution, mais on va s'atteler à vite changer de webcam. Très bien. Donc on va réaliser une première vidéo découverte de ce jeu. Donc Broken World. Très bien. Hop. Comme d'habitude, c'est la vidéo numéro 1. On fait une découverte et c'est de Jean-Bob et Laton. Et voilà, donc nous reprenons là où nous avons laissé notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir, on a gagné déjà 2000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Certes, c'est pas la vraie, mais au moins vous voyez qu'on peut y arriver si à force d'entraînement et de persévérance. Alors, vous avez acheté un nouveau jeu, je salue. Voilà, très bien. Hop, 2 points. Tu as trouvé un Easter Eggs. J'adore les Easter Eggs dans les jeux. Alors, commentaire en chantant. Bah tiens, c'est ce qu'on va faire. Oh. Hop là. Tu viens de level up. Tu viens d'augmenter de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on augmente de niveau? On fait un commentaire en chantant encore? Ou une expression heureuse? Allez, commentaire en chantant. On fera un peu de script après. Donc voilà, on va passer au montage. Voilà, ça a l'air de très bien fonctionner. Ça a l'air pas mal. Et ça, voilà. On n'aura que un truc qui nous embêtera. Là, ça marche pas. Là, ça marche. Ok, je mets un titre. Donc ça nous fait gagner des points en script. Il nous manque des points un peu en jeu d'acteur. Et ben voilà. On prend un truc en jeu d'acteur. Et comme ça nous fait une vidéo plutôt correcte. Pour une première impression, voilà, 95% d'intérêt, celle-là va nous faire pas mal d'abonnés et de vues à mon avis. Rappelez-vous, le 31 janvier, je dois passer mon examen, donc il faut absolument que j'aille réviser un peu mes examens, parce que sinon, parce que je vis toujours chez papa et maman, c'est pas évident. Donc, on va publier cette vidéo, et en attendant, on va aller étudier. En revenant, on ira dormir, et on mangera. Parce que là, je vois qu'on va perdre un peu en énergie et en appétit. Pendant ce temps là ma vidéo elle est en train d'être rendue. Voilà, j'ai vu qu'on avait gagné des cartes, donc là commentaire sérieux, bon, hop, voilà, et là c'est salutation drôle, pas mal. Allez hop, donc on va pouvoir réaliser une vidéo de gameplay après sur ce jeu. Donc on a fait une première impression, maintenant on peut faire du gameplay. Hop, c'est ce qu'ils disaient, on peut pas... on peut pas commencer une vidéo on peut pas refaire des vidéos de première impression, parce que sinon on va perdre des abonnés, les gens ils vont pas aimer. Ça sera du foutage de gueule. Donc regardez les commentaires, donc là très bien. Hop, on va réaliser une vidéo de gameplay. On va respecter toujours notre façon de présenter nos vidéos par rapport à notre chaîne. Vous avez vu, c'est super roleplay. Hein. Donc J-I-L pour Jean-Bob et Laton. Hop, suivant. Très bien. Donc Broken Worlds commence à faire des vues. Là, on a gagné 1$ déjà avec. Donc, enregistrement. Salutation drôle. Bah oui, allez hop, on salue drôlement. Hop, regard meurtrier, blablabla. On va faire une expression heureuse. Voilà, ça marche pas mal.
Et ici, jeu épique. Jeu épique. Qu'est-ce qu'ils entendent par jeu épique? On va refaire une expression heureuse. Voilà, très bien. De toute façon, on a plutôt fait du script. Hein. Hop, on va pouvoir mettre celle-là, et celle-là. Ou ça et ça. Ouais, c'est ça fonctionne pareil. Le très attendu Enragate. Lama enragé. on va mettre un peu de ça, hein, et on va donner du contenu à notre vidéo. Traitement, voilà. Donc un peu moins d'intérêt, mais finalement on a fait quand même on a fait un bon score de contenu et un bon score d'édition. Donc on va quand même la publier et on a gagné un niveau en post-production, ce qui est pas mal. Veux-tu parler? Non, je peux pas, je suis en train de monter une vidéo. Là j'ai encore perdu. Oh non, je me fais pas disputer. Non merci, je ne veux pas parler. Vraiment tu as vraiment bien, tu as beaucoup étudié cette scène. Si tu continues, tu auras une récompense. Oh, est-ce que j'aurai une récompense? Ça fait gagner une carte. Salutations, cool. Super. Donc là, pendant ce temps-là, on va aller dormir. On va aller étudier. Manger. Et comme ça, on va encore gagner des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, pam. Ok, donc je peux personnaliser des choses dans ma chambre. Cliquez sur le PC pour procéder à l'achat. Magasin de décoration. Ok. On va aller voir les magasins de décoration. C'est Ikea. Très bien. Qu'est-ce que je peux acheter? Été est toujours le meilleur magasin pour acheter des objets de décoration. Mais j'oublie encore de cliquer sur confirmer de mon panier de temps à autre. Ah ah ah. Il y avait quelques cartes cachées dans certains objets. Je devais les trouver. Ok. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Pas trop cher, histoire de... On va s'acheter un poster. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Je me suis acheté un poster, je suis super content. J'avais dit que t'allais étudier et manger. Et que t'allais dormir en revenant. T'allais ouvrir aussi. C'est comme... Comme les Sims, hein. On peut donner une suite d'actions assez rapide. Histoire d'automatiser un peu tout ça. Donc retourner à l'école. Voilà, lui est content, il est allé à l'école. On a fait une vidéo qui a été vue au moins 3000 fois. Et on a plusieurs abonnés. Voilà, super. Mettez un jet dans votre vie. Ouais, comme ça pour plus tard. Donc encore une carte. Musique de clip copyrighté. Ouh, attention, par contre, ça a l'air d'être méchant. On peut pas mettre ce qu'on veut. Même dans la vraie vie, on peut pas faire ce qu'on veut avec les musiques. Et non, on va regarder ce qu'il y a à vendre. Est-ce que je peux déjà améliorer la webcam? Ce serait sympa de pouvoir améliorer la webcam. Il n'y a que ça pour la webcam? C'est pas génial. Non, mais je l'ai déjà en plus. Webcam. Ah, voilà. 30$. Bon bah on va prendre ça là. Voilà. On va payer le panier. Tac. Super. Donc elle sera livrée bientôt. On regarde s'il y a un autre jeu qu'on pourrait acheter, bien sûr. Alors, toutes les consoles. Moi j'ai que le PC. On va regarder les dates de sortie. Broken World, c'est le dernier truc que j'ai acheté. Et tiens, lui, je l'ai pas acheté. Il y a un jeu qui est sorti, Mysterious Cheese. Ok, on va plutôt prendre celui-là. Ah, mince. Oh non, c'est pas vrai. C'est abîmé avant que je puisse dépenser mon argent. Du coup, je vais pas avoir assez d'argent pour m'acheter le jeu. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas de bol. Hop. Je perds des abonnés. Je devrais publier une vidéo. Ah oui, mais bon. Je fais ce que je peux, ma pauvre dame. Hop là, visiblement j'ai pris un niveau, donc je vais pouvoir peut-être dépenser un point d'action. Ah, mais c'est encore planté comme la dernière fois, dans la première vidéo. Visiblement,
Dans ce magasin, vous pouvez acheter toutes sortes d'accessoires pour améliorer votre performance. Ok, ouais. Dès que le réparateur vient, visiblement, ça bug. Alors, c'est pas très cool. J'ai pas de produits dans mon panier. C'est pas ici que j'ai les produits dans mon panier. Ah, mais lâche-moi. Je veux quitter. Bon, ça y est, ça s'est débugué. Ok, donc normalement j'ai un point à dépenser, donc là ça désinvole. Vous gagnez 6% d'abonnés en plus avec vos premières impressions, vos revues ou vos vidéos de déballage. Et bah c'est très bien, nous justement on voulait être un youtubeur un peu comme ça. Hop, on va aller manger. Et j'ai vu qu'on avait gagné pas mal d'argent et qu'il y a un nouveau jeu qui vient de sortir et qui nous rapportera peut-être pas mal d'abonnés si on fait une vidéo première impression tout de suite. Donc c'est ce qu'on va s'attarder à faire. Comment on se trouve dans tout ça? Ah tiens, je commence à avoir des chances de réussir mon examen. D'ailleurs, il est dans 4 jours, donc on va pas perdre trop de temps. On va acheter le jeu qui est ici. Hop. Ah mince, acheter. Voilà. On va attendre qu'il débarque. On va aller étudier en attendant pour augmenter nos chances de réussite à l'école. Le jeu devrait pas tarder à arriver. Voilà. Je vais à l'école la nuit, hein, visiblement. Et là, on va faire un jeu de première impression sur Counter-Strike. Ok. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Webcam. Je m'étais pas acheté une super webcam, je comprends pas. Bah alors, bon je sais pas alors. Je comprends pas trop. On verra après dans ce cas-là comment on peut utiliser sa webcam. Ok, alors, découverte. Très bien, oui, c'est une vidéo découverte. Mais de Jean-Bob et Laton, c'est important de continuer à mettre notre patte. Voilà, donc je vais jouer toute la nuit visiblement vu l'heure tardive. Il est 4h du matin, je commence ma vidéo. Alors, vous commencez l'enregistrement, c'est une citation sérieuse. Bonjour à tous, c'est Jean-Bob de Jean-Bob et Laton. Tu viens de Level Up. Youpi! Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Un commentaire en chantant. Je viens de Level Up, ta 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 ta. Un peu comme le nain dans Donjon de Hellbuck. Écran de chargement interactif. Eh bah très bien, commentaire pas drôle. Ok, bah très bien. Hop, j'ai fait un commentaire pas très drôle. Et tu as trouvé un Easter Egg. Alors du coup, je vais faire une expression heureuse, tiens. Parce que voilà, tout à fait, je suis très heureux de trouver un Easter Egg. Très bien. La vidéo est finie, je vais pouvoir commencer le montage. Le montage qui prend toujours plus de temps que le reste. Ça sert de bien se présenter. Ça aussi. Et voilà, ça a l'air de... J'ai appris que vous faisiez de bonnes vidéos. Pourriez-vous enregistrer une vidéo de jeu et la télécharger? Je vous enverrai le jeu. Ok, très bien. Accepté. Très bien, je vais faire un peu... deux points comme ça et un peu de ça. Voilà, je pense qu'on va gagner pas mal de points sur cette vidéo. Elle va nous envoyer sa vidéo et là en effet ça a été une bonne vidéo je crois parce qu'on a gagné pas mal de niveaux et on va publier la vidéo. Je crois que ma maman a quelque chose à me dire. Non, elle veut dire que j'ai pas assez travaillé. Oh maman, je suis pas si absent que ça, faut pas croire. Donc j'ai gagné une nouvelle carte, salutation avec imitation, ok, l'imitation de qui par exemple, de Coluche, tout ça, ça peut être sympa. Ok, donc elle m'a envoyé sa vidéo et pendant ce temps-là, on va aller étudier. Parce que c'est bientôt l'heure de l'examen, il faudra quand même pas, faire n'importe quoi. Elle avait une vidéo de découverte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir et on va manger. Ainsi, ce sera... quelqu'un frappe à la porte. Salut, je suis... puis-je vous emprunter un de vos jeux? Oui, peut-être un jeu. Je vous ai pris Broken Worlds. Ok, très bien. Pas de problème.
c'est peut-être nouveau ça, de prêter des jeux à des gens comme ça dans, que tu connais pas forcément. Et après, on a dit qu'on allait faire une vidéo sur Irritating Internet et une vidéo découverte comme m'a demandé mon ami. Alors, regardez les commentaires. Lui, il attendait ma vidéo. Lui, il a dit que j'étais vraiment très très nul pour l'édition. Prenez des cours pour vous et pour vos viewers. Mais oui, en vrai, c'est ça qu'il nous faut pour Jean-Bob et Laton. Ok. Tes Counter-Strike première impression vidéo sont super. Je pense que c'est comme les vrais commentaires sur YouTube, avec des vraies fautes et tout. Je sais pas si c'est roleplay, mais je crois que ça, c'est fait exprès. Partager tes premières impressions d'un jeu récemment sorti, le mieux que tu peux faire. Bien joué, Corinne. Counter-Strike est le meilleur jeu auquel j'ai joué et ce jeu est vraiment tendance. Ok. Bon, les gens sont globalement contents. Et la machine à cash commence à faire du fric. Ok, très bien. Donc, j'ai dit que pour elle, j'allais lui réaliser une vidéo et je vais lui faire tout de suite. Irritating Internet, on est quoi le démotivateur. C'est plutôt irritant comme blog. Hop, c'est parti. Et on va réaliser une superbe vidéo. Ok. Alors, salutations drôles. Bah, salutations drôles, ça commence. Hop. Bonjour à tous. Écran de chargement interactif. Commentaires. Moi, j'aime bien les commentaires. Alors, ce jeu est réalisé par Ubisoft Entertainment et il est sorti en 1995. Ok. Tu as surmonté un challenge difficile. Regard meurtrier. Bon, vous pouvez pas voir mon regard meurtrier, mais j'en ai fait un. Si j'ai essayé d'en faire un. Bien sûr. Et tu as débloqué un exploit. Et là, j'ai aucune carte qui correspond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre le plus de points possible. Bah là, je pense que c'est pas mal. Mais tant pis. Ça arrive de pas avoir la bonne carte. Suivant. Ok. Donc, on va pouvoir faire ça. Faire quoi d'autre? Ça correspond pas. Ça correspond. Ça correspond. Mais si je fais ça, non, ça marche plus. Ouais, je pense que c'est le meilleur truc que je puisse faire là. Point de rendu. Et bah, on va mettre de ça. Et au niveau des effets. Ouais, on va faire du. Jeu d'acteur. Allez, c'est parti. Oh, 25% d'intérêt. Alors là, il vaut mieux pas que je la poste. Si je la poste, en fait, je vais perdre des abonnés. Mais comme on est dans une vidéo découverte, let's play, machin truc, on va la poster pour vous montrer ce que ça va faire. Les gens, ils vont me haïr totalement. Ils vont dire, ton jeu, c'est vraiment de la merde. En plus, de toute façon, si je la publie pas, ma copine va pas me donner le fric pour lequel elle m'a payé pour que je le fasse. Donc, il vaut mieux que je la publie de toute façon. Voilà. Quoi de neuf, Jean-Bob? Nous avons à faire la fête ce soir. Je suis sûr que tu veux passer du bon temps. Non allez, tu pourras respirer un bon coup de partie. Tu veux venir avec moi? Allez, c'est parti. On va aller faire la fête. Donc là, je vais m'habiller. Souvent, les soirées, il y a des thèmes de vêtements. Donc, bam. On va quand même s'habiller un peu plus classe que ça. Moyen quand même. Non, pas de bob, pas de bonnet. Non, bah, je crois que ça c'était classe ça. À la Doxa, tiens. Hop là. On va mettre des chaussures qui vont avec mon pull. Allez, voilà. J'ai ça, j'ai pas de bague, j'ai pas de boucle d'oreille. Bon, bah voilà. Mon habit actuel, il est. Alors, le problème, c'est que la traduction est encore un peu mal faite parce qu'il y a des bugs de traduction. Par exemple, vêtements de... Alors, moi, je pense que c'est vêtements de soirée. Donc là, j'ai 2 points. Décontracté, 1 point. Costume, tenue de sport, 0-0. Voilà. Ok. Allez, on va à l'événement. Autant que la vidéo se monte. Normalement, je devais aller en examen, non? Le 31 au 31. Je crois que j'y suis pas allé. Je vais me faire engueuler.
Hop, je viens de débloquer un type de vidéo. Je commence à avoir des fans et je sentais le besoin de partager mes moments avec eux, me permettre de mettre devant l'appareil photo et partager mes pensées. Je le fais en cliquant simplement sur mon avatar. Donc je peux faire des vlogs maintenant. C'est plutôt pas mal. Je l'avais pas débloqué ça la dernière fois, donc je sais pas pourquoi. Alors, court commentaire, nouvelle carte. Voilà, donc je fais une soirée tranquille. Donc, soirée plutôt mondaine avec un vigile là-bas. Est-ce que je peux me déplacer comme ça? Ah, il y a le clavier QWERTY qui est enclenché, c'est pas évident. Donc, il y a un DJ et il y a moi et ma copine qui m'a invité. Du coup, on va. J'ai l'impression qu'il y a même beaucoup. Bon, on va danser. Alors, j'aime bien parce qu'ils font un peu le. Voilà, ils font le Gangnam Style. Tiens, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il n'a pas pu danser lui? Danse! Voilà! Moi ça me fait bien marrer. En tout cas, je crois que j'ai une super pote. Et visiblement, je peux faire un vlog. Comment on fait un vlog? Tiens, bon bah, c'est cette fille. Bon, c'est comme. Non, bah tiens, elle veut pas. Elle veut pas qu'on l'enlace. Tant pis, on va lui parler. Elle a l'air très mort de rire quand même de ce que je raconte. Mon cœur est lié à Play Studio 2. Ok, donc en fait on peut apprendre des choses sur les gens comme ça. On va faire profil. Visiblement, le profil, c'est pas du tout une youtubeuse, loin de là. Skyla s'appelle. On va discuter. J'ai besoin d'être seul, ne me dérange pas. Ah oui, non mais d'accord. Le jeu a considéré que en fait j'étais pas là. Bon, on va flirter du coup. Ça a pas l'air de bien marcher. Je crois qu'elle a baillé. Bon bah si elle veut danser, on va danser hein. J'ai pas compris comment je faisais un vlog par contre. Alors j'ai débloqué les vlogs visiblement avec des nouvelles cartes et je peux avoir des ampoules. Super, j'ai pas mal de choses qui sont débloquées. Donc on peut l'air génial. Et ça me fait penser qu'il fallait que j'aille à un congrès. Non mais regardez-moi cette tête de mec désespéré quoi. C'est pas la fin du monde hein. Ouh, souris un petit peu. Offrir un cadeau, tiens, voilà. Tada. Je crois qu'elle veut rien de toi en fait. T'inquiète, je suis parlé. Voilà. Même si j'ai toujours pas compris comment on faisait un vlog. Elle dit de cliquer sur mon profil. Bon, on va aller parler à quelqu'un d'autre. À Tori. Tori à base de taurine de porc. De taurine de taureau, voilà. Donc, elle a dit que les jeux qui vont PC, sortir sur PC seront vachement bien. On va parler à sa copine Alina, qui a l'air gentille aussi. Ok, ok. Donc, ils ont l'air tous d'être un peu des youtubeurs en fait, hein, ou des gamers parce qu'ils jouent tous en fait. Sauf Sonacé, voir le profil. Ah ouais, elle, si je l'avais déjà vu. Donc je sais pas comment on lance un vlog en fait. On va marcher comme ça entre les gens. Blablabla. Voilà. Alors, tiens, j'avais pas vu ça, mais par exemple, je crois que c'est les infos de ma chaîne. Donc on a déjà fait 45 000 vues, on a 10 000 abonnés presque. Il y a le top des youtubeurs, on est 50e des youtubeurs. Voilà. Dans le top YouTube. Et bah. Avec un revenu total de 65$. Et ben. Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'avertissement de YouTube. Et notre meilleure vidéo est Counter-Strike. Avec un.
Vous ne pouvez pas entrer dans un réseau avant d'avoir atteint l'appartement de luxe. Ok, donc je peux changer d'appartement, visiblement. Quitter mes parents pour vivre de ma passion. Et ça, globalement, c'est mes revues globales, le nombre de vues, donc ça augmente, le nombre d'abonnés aussi, les revenus, c'est un peu baissé, et l'intérêt aussi. Oui, j'ai sorti une vidéo pourrie tout à l'heure, mais bon, ça arrive. Globalement, ça avance pas mal, ça avance pas mal. Ça, c'est les premiers commentaires. Ok, je peux avoir des informations. Ça, je sais pas c'est quoi, ça y est. Crash quit, je sais pas comment. Ok, donc ça, ok, ça c'est les, mais ça c'est mes rivaux en fait. Globalement, c'est eux qu'il va falloir que c'est eux qu'il va falloir dépasser. Plutôt Calculating Vids, qui lui est un gaming, un YouTuber gaming, et lui c'est plutôt un YouTuber de cuisine. Ok. Et ça, c'est des réseaux, mais je ne sais pas encore à quoi correspondent les réseaux. Ok, bon, bah, moi, je propose de sortir de là. Voilà. Ok, j'en ai assez, je pars. Ok, je pars. On retourne dans notre chambre, tranquillou. From that moment, I was able to go to the party when I want. Ok, donc maintenant, je peux inviter des gens à aller à des soirées. Voilà, c'est ce qui était en train de me dire. Et qu'en plus, je pouvais inviter des gens pour aller aux soirées. Donc ça, je l'ai dit. Mais des fois, il y a des codes vestimentaires. Et donc, comme je le disais, on peut choisir une tenue pour aller à une soirée. Voilà. Oh, mais j'ai pas envie de faire du shopping maintenant. Bon, bah, on va faire le shopping. C'est un peu le tutoriel encore, en fait, visiblement. Donc, hop. Le magasin de vêtements. Salut, aimez-vous votre compagnie de téléphonie actuelle? Je suis sûr qu'une Mobafone vous propose une connexion internet plus rapide. Vous aurez seulement à payer 20$. Allez, bah. C'est parti. Vous êtes tombé dans un piège typique de la compagnie de téléphone. Payez et changez d'opérateur pour avoir la même vitesse de connexion. D'accord, bah voilà, comme dans la vraie vie. Moi, je vais m'acheter ce petit truc vachement mignon pour aller aux soirées. Et voilà. Peut-être qu'en pantalon, il y a quelque chose qui irait mieux que mon truc. Non, ça a l'air d'aller. Pantalon pour homme. Ok, on va acheter ça. Allez, on va acheter. Ah, je perds des abonnés. Pas de chance. Voilà, c'est acheté. On va aller sur Amazon et voir s'il y a des nouvelles sorties. Alors, on est le 4 février. Ça, c'est sorti le 13 décembre. Non, il n'y a pas de nouveaux trucs. Par contre, mon ordinateur vient encore de cramer. C'est pas possible. Je crois que je vais me faire traiter. Passer les quoi ? J'ai réussi mon examen. Oh. Est-ce que c'est pas beau ça? L'école m'a appelé. Non mais tu devrais être contente, j'ai réussi mes examens, je comprends pas. Oh là 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 là. Bon, on va le réparer. Voilà. On va faire une petite sieste. Puis après, il faut essayer des bonnes vidéos. Ok, on va faire une vidéo pour toi. On va dormir. Puis après, on va manger. Puis après, on va ouvrir le jeu. On va choisir le jeu. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il veut que je fasse une vidéo. Donc, très bien. On va faire. Attends, attendez. Je sais pas quel type de vidéo il veut que je fasse. Une vidéo de gameplay. Alors, on va faire une vidéo de gameplay. Allez, on va commencer la vidéo. Donc voilà, donc au fur et à mesure, j'ai gagné de l'argent, je vais pouvoir m'en aller de chez moi, fabriquer des vidéos de plus en plus sympas, être dans différents réseaux,
améliorer ma vie de youtubeur et bien sûr être de plus en plus connu et populaire au sein de YouTube. Voilà, donc on va lancer la vidéo et voilà. Donc toujours Jean-Bob et Laton, j'y tiens. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré Laton. Hein. Je tiens à dire, je suis tout seul, Jean-Bob. Je suis sûr que quelqu'un qui s'appelle Laton m'attend quelque part. Vous commencez l'enregistrement. Alors, on va faire une salutation drôle. Bonjour, bande de... Non, c'était pas très drôle. Tu viens de level up. Alors, on va faire une expression heureuse, forcément. On est content d'avoir level up. Ici, ce niveau est difficile. Commentaire en chantant. Bla 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 bla. Voilà, je chante en chantant, voilà. Et ça, c'est l'introduction. Ah bah oui, je le fais à la fin, évidemment. Donc, je vais faire, hop, ceci. Voilà, très bien. Donc là, normalement, c'est terminé. On va pouvoir commencer à monter la vidéo. Très bien, si je fais ça, ça doit pouvoir marcher. Et ça ne marche plus là. Si ça marche quand même un petit peu. Si je fais ça, par contre, non, il y en a deux. Là, il y en a qu'un. Donc voilà, c'est pas mal. On va pouvoir faire un peu de montage comme ça. Et faire un peu de script. Voilà. Donc voilà, une vidéo qui a quand même un intérêt, un certain intérêt. Et qu'on va publier. Et c'est ici que s'arrête ce deuxième épisode sur YouTuber's Life. Voilà, j'espère que ça vous fait marrer. En tout cas, c'est assez drôle comme concept de jeu. C'est un peu de la mise en abîme de youtubeur, du métier ou de la passion que peut être le YouTube. En tout cas, moi je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, soyez sages et profitez du soleil maintenant qu'il arrive ou qui... Maintenant qui montre son nez quoi. Bon allez, gros bisous, à bientôt. Ciao, bye bye. C'était Jean-Bob de Jean-Bob et Laton.